Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est mon petit retour de soldes puisque les soldes ont commencé en France aujourd'hui. Voilà, je vous filme la vidéo le jour même, j'ai pas attendu. C'était pas forcément prévu que j'aille les faire parce que je suis pas trop en mode dépense normalement en ce moment. Mais voilà, que voulez-vous, je me suis laissée tenter et j'ai fait deux très très belles affaires que je vous montre dans un instant. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Sachant que chez moi c'est assez simple puisque je sors une vidéo par semaine tous les mardis à 18h. Donc avant ça, je voulais vous parler de deux marques qui m'ont contactée. Donc la première c'est la marque Sleep & Glow. Donc j'ai reçu un joli colis qui ressemble à ça et j'étais tellement heureuse puisque figurez-vous que la marque Sleep & Glow c'est une marque spécialisée dans les oreillers. Alors, les oreillers en plus, plutôt anti-âge. Bon, est-ce que je dois bien le prendre que ce genre de marque me contacte? Je sais pas. Mais non, c'est pas forcément que pour les personnes vieilles. C'est surtout pour les personnes qui, comme moi, ont du mal à trouver l'oreiller, the oreiller avec lequel vous vous sentez super bien. Moi, j'ai beau essayer plein de sortes d'oreillers, j'ai jamais trouvé quelque chose qui puisse me convenir à 200%. Donc quand ils m'ont contacté, j'étais hyper contente, je suis allée voir sur leur site. Alors certes, je préfère vous prévenir, c'est des oreillers qui sont assez chers, parce que je crois qu'ils sont dans les 150 € à peu près. Mais par contre, ils expliquent que c'est des oreillers qui vous durent au minimum 5 ans. Donc si vous faites le ratio, ça vous fait un oreiller qui vous coûte 35 € par an, ça passe. Et en plus, très franchement, ça fait plus d'un mois que je le teste. Et alors moi, je suis très sujette aux problèmes de cervicale. Je me réveille où j'ai souvent, souvent mal. Ou comme j'arrive pas à trouver un oreiller qui me convient, bah, je me mets dans plusieurs positions pour essayer de m'endormir. Et je trouve jamais la bonne. Et là, franchement, j'ai vraiment vu un effet. Depuis que j'utilise cet oreiller, je dors beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je ne suis absolument pas payée pour vous parler de la marque. D'ailleurs, je reçois pas mal de demandes de collaboration. Il y en a qui vous imposent à dire tel ou tel message dans les vidéos. Là, pas du tout. D'ailleurs, ils n'ont absolument pas voulu que je fasse un unboxing. J'ai voulu garder la boîte parce que je voulais vous montrer comment c'était emballé. Mais ils m'ont bien dit, vous le testez avant et uniquement si vous en êtes satisfaite, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la chaîne. Donc voilà, j'ai trouvé la marque quand même plutôt... clair dans sa façon de communiquer et voilà, je tiens à le préciser parce que c'est pas tout le temps comme ça, donc je refuse beaucoup beaucoup de partenariats sur des choses qui ne m'intéressent absolument pas et qui sont complètement en dehors des clous de ce que d'une moi j'ai l'habitude de consommer et de ce que deux je pense qui est susceptible de pouvoir vous intéresser. Donc là voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc à savoir que voilà, ça arrive dans une boîte comme ça, l'oreiller est plié, donc moi j'ai choisi le modèle qui s'appelle Omnia, mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et l'oreiller en fait a une forme assez unique, hein. On n'a pas trop l'habitude de voir ailleurs puisqu'elle est comme ceci. Hop. Et vous avez en fait des espaces aussi bien sur le côté que au milieu. Donc la tête d'oreiller est fournie avec, il vous conseille aussi d'utiliser avec la tête d'oreiller. Vous avez aussi une surépaisseur qui est fournie avec pour les personnes qui sont un peu plus grandes, mais ce n'est pas mon cas. Donc, je voulais vous en parler et la marque m'a également proposé de vous partager un code promo qui vous donne droit à 10 € avec le code Les Folies de Nani. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos, le rappel sur cette jolie marque. Et si la marque passe par là, je la remercie encore pour cette jolie proposition. Et j'ai une deuxième marque de laquelle je souhaite vous parler, c'est la marque Lily Silk. Lily Silk, c'est une marque spécialisée dans la soie de mûrier, qui est de la soie haut de gamme. Donc c'est fabriqué en Chine, mais c'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que c'est de la mauvaise qualité, bien au-delà. Donc la marque propose plusieurs produits dans cette fameuse soie de mûrier, dont ce petit top que je porte aujourd'hui. Alors franchement, je crois que je n'avais jamais porté de top en soie, et c'est une matière d'une qui je trouve fait très chic, et de deux dans laquelle on est super bien. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos aussi tous les produits qui peuvent vous proposer, mais donc moi, ils m'en ont fait choisir trois. Donc le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, hop, donc ça arrive dans un petit pochon et ce sont des lots d'élastiques de chouchou en soie. Donc il y en a un que je porte dans mes cheveux. Donc il y en avait quatre dans le paquet, donc un deuxième qui est le même que celui que j'ai dans mes cheveux.
et deux autres qui sont un petit peu plus fins. Donc voilà, c'est des élastiques qui n'abîment pas vos cheveux, qui laissent pas de traces. Un peu comme les chouchous qu'on retrouve chez Sephora, je sais pas si vous en avez, mais moi c'est vraiment les chouchous que je porte habituellement parce que je déteste quand vous faites une queue de cheval, vous enlevez la queue de cheval et vous avez la marque. Bim! Surtout quand vous avez les cheveux mi-longs comme moi, c'est juste horrible. Donc voilà, ils proposent aussi ce genre de produit. Ils font aussi tout ce qui est parure de lit, tête d'oreiller également. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Et eux aussi me proposent un petit code promo, à savoir 15% de remise sur leur site avec le code NIE15. Voilà, donc je vous remets tout ça dans la barre d'infos. C'est fini avec les petites marques dont je voulais vous parler. Maintenant, je vous montre ce que j'ai trouvé pendant les soldes. Alors, Biarritz est la ville de toutes les tentations, puisqu'au-delà des beaux magasins comme Hermès et autres, on a aussi tous les grands centres commerciaux. Donc à la base, je m'étais dit, bon, tu vas à Ametsondo, qui est un des deux plus gros centres commerciaux qu'on a sur le secteur. Et j'étais partie pour me prendre une paire de baskets Nike Blazer, que je vous mets en photo juste ici, c'est leur nouveau modèle. Coup de cœur absolu sur cette paire. Et puis je me suis dit, alors pourquoi je me suis retrouvée en centre-ville? Ah oui, non, je me suis dit, je vais aller voir si les Golden Goose que j'ai dans ma wishlist que je vous épingle juste ici ne sont pas à tout hasard soldés, puisque bon, c'est une marque qui n'est quasiment jamais soldée. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même aller voir. Donc, c'est la boutique qui s'appelle Omana, je vous mets leur page Insta, et je crois qu'ils font de la vente à distance d'ailleurs. Ils ont un choix. Vous avez envie d'acheter tous les modèles. Donc j'ai eu un gros coup de cœur sur ce modèle-là. Mais il n'était absolument pas soldé. Donc bon, je me suis dit, on est le mercredi, premier jour des soldes. C'est un peu dommage d'aller craquer sur un article, certes de ma wishlist, mais un article qui n'est pas soldé. Je préfère cagnoter et puis me les offrir un petit peu plus tard. Mais bon, je sais aussi que Golden Goose, si vous attendez, il n'y a plus vos pointures, il n'y a plus les modèles, c'est des chaussures qui partent très vite. Et je vous le redis, je suis extrêmement satisfaite de cette marque. Et puis, à côté du magasin, en remontant un petit peu, on arrive chez Duchâtel. Alors, Duchâtel, c'est un magasin de luxe multimarque. Donc c'est là où j'avais acheté mon Loulou Toy. Je vous épingle juste ici la vidéo. Donc pareil, c'est une marque, c'est un magasin où vous avez un peu de tout. Ils font pas que des sacs, absolument pas. Et je ne savais pas qu'ils soldaient, parce que pour moi le luxe signifie plutôt pas de solde ou peu de solde. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et en fait, je suis rentrée pour savoir s'ils avaient pas la fille qui part dans tous les sens. Je voulais leur demander s'ils avaient pas le porte-carte Saint-Laurent, parce que je sais qu'ils ont souvent des petits accessoires de ce genre-là. Bon, je suis rentrée et là je vois solde. Bon, il n'y a pas de grosses pancartes à l'extérieur, il faut vraiment rentrer à l'intérieur pour voir qu'il y a des soldes. Et je dis, mais vous faites des soldes ici? Il me dit, oui. Alors, je crois qu'il m'a dit que c'était la première année. Pas de problème, je vais monter à l'étage, voir ce qu'il y a en sac. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à essayer des chaussures. Alors tout le monde connaît la marque Chloé. J'ai eu un gros coup de cœur cette saison, un de plus vous allez me dire, sur toute la gamme de Kaba qu'ils ont sorti. Je vous mets juste ici les liens qu'il y a sur... C'est des Kaba qui sont sold out depuis le début. Alors après, je veux pas forcément craquer, puisque autant acheter un sac de luxe en cuir, ça me pose pas de problème. Autant acheter un sac de luxe en... Alors, je sais pas quelle est la matière, si c'est du raffia ou si c'est autre chose. Mais voilà, c'est osé, c'est genre panier. Ça me fait un peu moins envie. Et puis je me dis que dans le temps, c'est des modèles qui sont ultra fragiles. Donc mettre le prix là-dedans, ça m'embête un peu. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour... Donc dans l'emballage, dans la boîte, vous avez le petit dust bag. Un par chaussure. Je crois que c'est la première fois que j'achète des chaussures de luxe. Enfin non, Golden Goose, on peut les inclure dans les chaussures de luxe, mais elles ne sont pas aussi bien emballées. Et regardez-moi ces merveilles. Alors forcément, il n'y en avait qu'une paire. C'était à 50%, les amis. Des sandales Chloé en plein été, soldées à 50%. Alors je vous ferai un petit close-up du modèle, mais gros coup de cœur. Je m'en suis pas arrêtée là.
Bah non, parce que des chaussures soldats à 50%, j'aime autant vous dire que vous faites le tour du magasin et que vous regardez tout ce qui vous plaît. Et là, on peut tomber amoureuse d'une paire de chaussures. Donc non, ce n'est pas un sac, mais c'est bien une autre paire de chaussures. Donc mes premières de chez Saint Laurent. Donc pareil, hein, c'est hyper bien emballé. Hop, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc vous avez un petit pochon de la marque. Donc à l'intérieur, c'est une deuxième paire de lacets. Vous avez la petite carte d'authenticité. Alors à la base, il faut savoir que je ne suis pas spécialement fan de chaussures. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais jamais acheté des chaussures de luxe. Mais bah, je vous dirais, dites-moi vous en commentaire, tiens, si vous êtes fan des chaussures. En principe, quand on est fan des sacs, c'est vrai que ça va avec, on est aussi fan des chaussures. Moi, pas trop. Mais là, vous allez voir les pépites que je me suis trouvées. Donc pareil, un petit dust bag sur chaque chaussure. Est-ce que vous voyez les étoiles dans mes yeux quand je déballe avec vous ce colis? Je suis tellement heureuse. Tadam! Pépite, pépite, pépite. Pareil, 50% de remise. Non mais, je les essaye une première fois en 37, elles étaient un peu limites. Je pense que j'aurais été capable de les prendre quand même. Bougez pas madame, nous avons le 37,5. C'est parfait. Donc je vous mets aussi porter ce que ça donne. Donc voilà, je suis hyper contente de mes deux pépites trouvées pendant les soldes. Donc comme quoi, des fois, il ne faut pas trop se mettre une idée en tête et puis y aller un petit peu au feeling. Bon, ça réduit considérablement quand même ma petite cagnotte pour mon sac. Hein, mais bon, moi, je me dis, on n'a qu'une vie, faut en profiter. Je vous ferai aussi un petit unboxing sur ma page Instagram. Donc je vous invite à m'y rejoindre aussi, puisque c'est vrai que j'essaie de poster des stories à peu près tous les jours. Enfin j'essaie, je ne m'oblige vraiment en rien, je le fais vraiment pour le plaisir, je vous le redis. Mais c'est plus facile de partager avec vous sur Instagram et de vous répondre à vos messages en direct sur cet outil-là. Je trouve que c'est un petit peu plus facile que sur YouTube. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel article vous, de votre côté, vous avez craqué pendant les soldes. Est-ce que vous avez fait des affaires aussi sur du luxe? Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !